Bonjour et bienvenue à ma chaîne Hamid Mécanique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une Dacia qui refuse de démarrer. Son proprio m'a dit que dernièrement, son moteur consommait beaucoup de liquide de refroidissement et que le valve d'expansion se vidait après quelques kilomètres. Alors, j'ai rempli le valve d'expansion et j'ai essayé de la redémarrer, mais en vain. Puis, j'ai constaté aussitôt qu'il y avait beaucoup de liquide qui sort de l'arrière de l'échappement de la voiture. Voilà, je suis à l'arrière de la voiture. On va la faire redémarrer et voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, tu peux démarrer. Démarre, encore, encore, encore. Ça, c'est un signe majeur que le joint culasse de cette voiture est cramé et qu'il n'y a aucun doute. Alors, j'ai enlevé les quatre bougies du moteur. Et regardez ce que j'ai constaté. Il y a l'eau dedans, comme vous voyez. Voilà. On va voir la deuxième aussi. C'est la même chose. Il y avait de l'eau dedans. Il y a de l'eau dans le cylindre. Alors, je suis obligé de faire tourner le moteur pour évacuer toute l'eau qui se trouve dans les cylindres. Démarre. Démarre encore, encore. Voilà. Voilà, j'ai fait ressortir le liquide de refroidissement des quatre cylindres pour que les segments ne grippent pas. Mes amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube Hamid Mécanique. Merci et au revoir.